Vous venez de faire un acte d'une incroyable bravoure. Mais ce qu'il fallait faire, c'était ramener l'avion à bord. Il n'est pas à vous, il est au contribuable, oui ou non? Vous signez des chèques en blanc et vous n'avez pas de quoi les honorer. On vous a sanctionné, vous avez été cassé 3 fois en tant que chef de patrouille. Puni au sol 2 fois, et à ma demande. Vous avez aussi un passif de 5 passages à très basse altitude au ras des tours de contrôle, et d'une fille d'amiral de surcroît. Benny Benjamin? J'en sais rien. Et vous, tête d'ahuri, vous avez de la chance d'être parmi nous. Très touché. Il ne faut pas rêver, Maverick. Votre nom de famille n'impressionne personne dans l'aéronaval. Ça vous oblige à être mieux et un cran au-dessus des autres. Alors qu'est-ce qui vous motive? J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de chasse de la navale. Ne me prenez pas pour une bille, Maverick. D'instinct, vous êtes un superbe pilote. Peut-être même trop doué. Je rêve de vous botter les fesses, mais j'y renonce. D'autant que j'ai un autre problème sur les reins. Il va falloir que j'envoie des éléments de la flottille à Miramar. Je suis tenu de faire quelque chose que je... Et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Vous deux, là, les zigotos. Oui, vous allez à Top Gun. Pendant 5 semaines, vous allez vous mesurer au meilleur pilote de chasse du monde. Vous étiez numéro 2, Cougar était numéro 1. Cougar est dégagé, Cougar s'est crashé. C'est vous deux en numéro 1. Mais je vous rappelle quand même une chose. Foutez la merde rien que d'un poil, et je vous affecte sur un avion de fret pour nous ramener des crottes de chiens made in Hong Kong. À vos ordres. Ce sera tout. Vous me parlerez du MiG d'une autre fois. Messieurs, bonne chance quand même. Merci, commandant. Merci.